Boye bolamu bandeko ya leo njole na deuxième chapitre na biso ya rapport mapping olokota ya lingala bongo boye biwapi première partie to sala ki yango mardi oleki kasi deuxième partie nde ya deuxième chapitre to ko lobele yango lelo pe olokota la lingala Toko Banabongo na point 2 kuna na Nord Kivu attaque contre ba réfugiés na camp où ils étaient situés na axe ya Goma Rutshuru. En octobre 1996, ba HCR estima kité 717 1991 nombre ya ba réfugiés rwandais au bazaki qui présent na province ya Nord Kivu kasi la plupart na bande ko vivre na 5 camps ezaki ezali qui situé autour ya ville ya Goma. Baka yango ezali bongo Kibumba 194 986 Katale 202 566 Kaindo 112 875 Ebane Kozana Nzela ya Rutshuru na nord ya Goma. Bakan ya Mugunga ezali kibongo na 156 115 pe lac vert 449 449 situé na route ya Sake au moins na moins 10 km ya ouest ya Goma. Bien que grande majorité y a réfugié, bazaki ba civil, bazaki non armé, baka on est bané qu'au servir également y a barrière base na ba militaire y a ex phare, particulièrement ba nombreux camps y a Katale. Pour la commémé, na ko fréquenté, pour la commémé, na ba fréquente incursion na territoire rwandais. Lokola na sud Kivu ba élément infiltré na province ba uta kibomba na Rwanda ba se kwa attaquer ba kan ba réfugié na axe Rutshuru pe na mbala ebele avant même e bandele officiel ba ya hostilité incident allégué suivant ezaki documenté. Na soirée ya 27 juin 1996 groupe moko ya infiltré bota ki bongo na Rwanda basé comme trois réfugiés na ba militaire mibale ya contingent zaïrois au bazaki na sécurité ya camp to bengi bongo CZSC P3 gardien ya Croix Rouge n'attaque moko contre camp ya ba réfugié ya Kibumba na territoire ya Niragongo. À partir ya mi-octobre 1996, so ba infiltré ba uta kibongo na Rwanda ba se kibongo ko intensifié pe ba militaire ya AFDL APR ba banda kibongo tiré de manière moko sporadique na ba arme lourde pe na ba arme légère na trois camp ezaki situé le long ya axe ya Goma Rutshuru. Quand il y a Kibumba situé à 25 km, il y a nord, il y a Goma, et il y a Kibongo, Koko et Samaya Liboso. Incident, wana et c'est Kibongo, Kozala documenté. Nabutu, il y a 26 octobre 1996, le militaire il y a AFDL APR, il y a bombardé quand il y a Kibumba, na artillerie lourde. Et c'est que bon, mon nombre moko indéterminé va réfugier pe bébisa ki hôpital ya camp. Bongo na kokima Kibumba près ya 194000 réfugiés basile ko joa direction ya camp Mugunga. Quand ya Katale zaki bongo attaqué na Butu ya 26 octobre 1996 na ba AFDL APR mais ba militaire ya phase CZC S pe ba élément ya ex phare interamwe basé ko repousser attaque incident qui allégué suivant pe documenté.
Le 26 octobre 1996, le militaire Yafde la paix va se attaquer quand il y a Katale et les armes lourdes. Et c'est comme mon co disait, non, il va réfugier. Ainsi, le militaire Zaïwa, il y a contingent Zaïwa. Oh, bah, c'est qui la sécurité, et bah, quand? CZSC. Basse qui bongo kubo manan mo moko indéterminé va réfugier na ba arme blanche. Après ba violent combat wana na ba militaire ya phase puis ba élément ya ex far intera moi na ka ya réfugié ya katale ba sia ki bongo ko ya na renfort ba militaire ya afdel a per ba sia ki bongo za contrôle ya camp militaire pe ba phase ya rumangabo situé na situé entre Goma et Rutshuru na proximité ya frontière na Rwanda. Le 30 octobre, la plupart ya réfugiés ya camp ya Katale pe Kaindo basé ko na proximité ya camp militaire basé ki bongo ko banda ko kima. Lokola troupe ya Afdela per basé ko Katanzela o bené ko kende bené ko mena Goma. Ba réfugié mususu ba seko kina direction ya Masisi pona kolekana par Tongo ba misusu ba seko tente ko rejoindre camp Mugunga à travers parc national ya Virunga ba misusu ba réfugié mususu ba sikalaki na camp en incident wana ezalaki allégué pe documenté. Le 31 octobre 1996, le militaire ya Afdel la paix, basilaki comme plusieurs centaines de réfugiés basalaki bongo na camp ya Kaindo pe Katale. Rapporteur spécial ya question ya violation des droits de l'homme na Zaïre, monsieur Roberto Garreton a essayé de se rendre sur place quelques mois après estimé ba nombre de victimes na 143 na camp ya Katale pe entre 100 pe 200 na oyo ya Kaindo. Na kati ya ba première semaine suivant offensive ya ba militaire ya Afdel na Nord Kivu, moi non bon moko ya mukie ba refuge ba se kopona ya na kozonga na Rwanda. Na selon HCR environ 900 réfugiés basé qui bon kokati sa frontière na niveau ya Mutura entre le 26 et le 31 octobre 1996. Pe pression physique pe psychologique ba réfugiés basé ko subir des pas na part ya ba ex far intera moi expliquer en partie réticence entre Yakozonga na Rwanda. Toutefois, refus wana Yakozonga et Zaki bongo lié na ba risque encouru lorsque ba réfugié ba ne ko se présenter spontanément na ba militaire ya Afdel Afper en vue ya rapatriement na bango ba militaire ya Afdel Afper ba se koma de manière délibérée ba to ebele na occasion ba réfugié ba singa ki bango ba ko ka kosunga bango na kozonga na mboka ezala ki bongo impossible ya ko déterminer nombre ba réfugié ba sile ko bo mama na ba Afdel Afper pendant attaque ezala ki mené na ba camp situé le long ya nzela o ba ne ko relié Goma na Rutshuru. Chiffre ezala publié na équipe ya urgence ya biodiversité EUB ONG local moko essaie de participer na aide et association et volontaire na Zaïre ASV donc ASVOZA pe Croix Rouge ya Zaïre na inhumation et corps et victime afin ya ko prévenir ba éventuelle épidémie na kati ya région. Oui, ben qui bongo ko pesa idée pe ampleur ya Koboma. Na contexte wana équipe ya mapping et documenta ki ba incident allégué oyo elandi. Kobanda 2 p 30 novembre 1996, population ya Kibumba ba se ki bongo ko kunda 2087 corps. Entre le 30 novembre 1996 et le 26 janvier 1997, EUB essaie de compter 1000
919 corps na camp ya Kibumba pe environ. Entre le 1er et le 25 décembre 1996, EUB s'est coanimé 281 corps na camp ya Kaindo. Ba ndoto msusu se komona ma komona na sima na balatrine publique ebele ba victime ba zaki bongo na maboko ya kokanga. Entre le 1er décembre 1997 et le 18 janvier 1997, EUBC Kibongo ko kunda 977 corps na camp ya Katale pe ba zoto mususu ese Kibongo komo na ba latrine publique. Na date ya 1er novembre 1996, ba camp ba réfugiés nyonso entre Goma pe Rutshuru ese Kibongo kozala démantelé. Ba rescapé ya Kibumba oyo bazaki ko bazaki bongo environ ya camp ya Munguga ba oyo ya camp ya Kaindo pe Katale bazaki bongo dispersé na kati ya parc national ya Virunga na kolukate basi ya kokima na équipe ya interception ya AFDLPR oyo batindaki na kati ya parc Virunga. Nombreux réfugiés basiaki ko zoma katina forêt wana pendant ba semaine ebele pe ba mususu basiaki ko kufa na posa ya mai pe faute ya eau potable disponible na niveau ya plaine ya lave e bané ko recouvrir parc na bisika wana. Na moment na contexte wana équipe mapping et documentaki ba incident oyo elandi. Kaka na novembre 1996, ba militaire ya AFDLPR basiye komanda moko ya déterminé ya ba rescapé na camp ya Kaindo pe Katale na niveau ya ba barrière ezalaki bongo entre volcan Nyiragongo pe camp Mugunga. Ba rescapé ya Kaindo pe Katale o ba basiyeki ko échappé na bataku wana basiaki bongo kozala bato ya liboso ya kokutana na troupe ya AFDLPR. Bango basiaki bongo kotrie ba réfugié oyo basiaki kokanga na kobima ya parc en fonction ya ba âge na bango pe ba sexe. Babandaki bongo kobonga bango systématiquement ba adulte ya sexe masculin. Au cours ya mois ya novembre pe décembre 1996 ba élément ya AFDLPR ba c'est que bon nombre moko indéterminé ba réfugié ba oyo ba c'est qui ko réinstallé na camp ya Fortune na parc national ya Virunga. Ba tuerie wana dans les environs ya ancien camp ya Katale pe Kaindo pe Kibumba na kati ya parc national ya Virunga et seki bongo ko continue plusieurs mois. Na février 1997, témoin moko ase ko bete lisolo na population te na population locale ke bane ko découvrir chaque tongo bibembe ya sika ya bato oyo basiye ko boma na tango wana na site ya ancien camp ya ba réfugiés ya Kibumba. Incident allégué suivant ezaki bongo documenté. Le 11 avril 1997, ba militaire AFDLPR basiye ko plusieurs centaines de réfugiés na bisika ba bengi Mwaro situé na kati ya forêt ou à proximité ya village ya Kibumba. Ba victime basiye ki bongo tenté kozonga na Rwanda. Basiye ki bongo kozala intercepté le 9 avril na ba militaire ya AFDLPR à proximité ya village ya Kibumba. Et bongo bango basiki bokokanga bango na mosquée moko ezalaki musika te na institut Kibumba et bongo na ba bâtiment ya ancien projet élevage pe ba bomaki basiki bomana ba militaire. Toleki na po attaque contre ba réfugié na camp ya Mugunga pe Lac Vert. Après chute ya
camp militaire ya phase Rouma Ngabo le 29 octobre ba militaire ya AFD la paix ba se ko lancer attaque na Goma pe bon ba se ko contrôle ya ville le 1er novembre 1996 ko ba pendant quelques jours ba ex phare intera moins ba se ko uta bon na camp ya Mugunga pe lac vert et les sous-sous d'un groupe armé Mai Mai originaire ya Sake ba se ko bloqué ba militaire AFD la paix na 7 km ya camp ya Mugunga parti moko ya ba réfugié ba se ki ko profiter pour na kolongwa na camp pe ko pousse na pemeni ya cité ya Sake le 12 novembre cependant après avoir conclu alliance monko na ba mai mai loko ba militaire ya AFD la paix ba c'est qui monko contrôle ya colline et ba ne ko entouré ça que pe ba c'est ko encerclé ba réfugié entre camp Mugunga pe cité incident allégué suivant et c'est qui monko a documenté. Le 14 novembre 1996, le militaire ya AFD la paix va se tirer ba arme lourde de manière indiscriminée na camp ya Mugunga pe et ba na environ pendant 6 heures et c'est que maintenant moko indéterminé ba réfugié. Na après-midi ya 14 novembre après ba viola combat na ba mai mai na Sake ba ex phare intera moi présent na camp Mugunga ba c'est qui bongo ko kotumba encerclement pe ba c'est qui kozwa ba c'est ko kima na direction ya Masisi et c'est qui bongo ko ça la terre par réfugié et belé et c'est quoi entraîner suite à nombreux réfugiés incendie ou en exact les allégations suivant peut documenté vers le 14 15 novembre 1996 ba militaire ya AFD la paix positionné na colline autour ya Sake ba sle ko ba grand nombre ba réfugiés ba sle ba bana ki ko tenter ko kima na direction ya Masisi pe ba te ko tirer na likolo na bango na manière moko indiscriminé na ba arme lourde pe na mitrailleuse ba centaine ya banzoto ba réfugié c'est qui mon ko kunda na ba fosse commune elle est située na plantation ya café ya Madimba pembeni ya Sake. Le 15 novembre 1996 conseil de sécurité et pesa kibongo feu vert na ngo na kotinda force multinationale na est ya Zaïre pe ba militaire ya AFD la paix ba c'est qui mon ko kota na camp Mugunga ba se coordonné na ba réfugié au bazaki na nuana na camp ya kosi ya kozonga na Rwanda entre le 15 et le 19 novembre 1996. Plusieurs centaines et milliers de réfugiés ba se ki bongo kolongwa na camp Mugunga pe na lac vert pe ba se kozonga na Rwanda l'incident allégué suivant était documenté. Le 15 novembre 1996, bah, l'élément ya AFD bah, c'est comme de manière délibérée bah, réfugié ya camp ya Mugunga pe ses alentours. Journaliste moko oyo asia ki kokota na camp le 16 novembre asia ki bongo ko dénombre 40 victimes bah, c'est comme par balle pe na ba arme blanche. Na kati na bango wana basi bana pe ba bébé mibale. Nombre moko indéterminé ba réfugié ba sek moko entre Mugunga pe na cité ya Sake. Le 19 novembre ba volontaire ya Croix-Rouge Zaïroise ya Goma ba sek lokota pe kokunda 166 cadavres au ba kutaki na nzela entre cité ya Sake pe périphérique ya camp Mugunga. Ba témoin ebele ba se ko signaler existence ya barrière moko entre camp Mugunga pe lac vert bo pikuna ba élément ya AFD la paix ba ne ko trier ba réfugié en fonction ba âge pe sexe ba militaire ba tika ki en général ko leka basi pe bana
to ya age moko avancé to mi bangé mi bali o ya kokola et bazaki bongo en revanche très souvent ya kubakanga ki bango pe ko boma bango na contexte wana équipe mapping et documentaki ba incident allégué o elandi. Entre le 15 et le 16 novembre 1996, ce élément de la paix, c'est que nous avons un moment indéterminé à Mibali, Hutu, Rwanda, ou à Utana, quand il y a le lac vert, Peya, Mugunga, Peya, c'est que nous avons un Bamususu basaki ko kanga bango basinga pe babwaka ki bango na lac vert babisika basaki ko dinda pe bakufaki basusu basaki ko bango na babale ko beta masasi na mutu pe bandutu bango se ko bwaka na kati ya lac batueri wana dans les environs ya Mugunga pe ya lac vert et cela ki bongo ko continuer pendant plusieurs semaines ba rescapé ba seki bongo ko betela ko betake ba militaire ya AFDL a père ba seko attaqué bango na fin novembre 1996 alors que bané ko luka ngeni ni ba seko rapatrier bango na Rwanda ba réfugié mususu ba seko bima na parc pe ba seko za regroupé puis exécuté. Source mon corps est rapporté qu'existence y a plusieurs fosses communes na kati ya parc situé à 5 km ya kan ya Mugunga. Attaque contre les réfugiés en fuite à travers le Masisi et le Walikale. Tout le territoire ya Masisi. Le 15 novembre 1996, le militaire ya AFDL père Basile qui s'est lancé na poursuite et réfugiés escapés pe ba ex far intérêt moins au Basile qui kokima na kati ya Masisi na direction ya cité ya Walikale. Basile qui bon kokanga ba élément ya moins au Basile qui moins rapide ya na ya colonne oyo Bazaki installé dans le camp provisoire dans le niveau, il y a village, il y a Oso, il y a Kinigi, il y a Katoi, principalement Bariscarpe, il y a Mugunga, Pe Kibumba, Kilolirwe, Kangajo, Nyamitaba, Mianja, Nyaruba, Kirumba, Pe Kaira, principalement Bariscarpe, il y a Kaindo, Pe Katale. Kaka na opération na bangwana contre ba réfugié ba militaire ya after la paix ba siaki bongo kozwa souvent appui ya ma ba mai mai loko mo ba ne ko souhaiter ko si ya kozwa en revanche ba groupe armé Hutu na pu kuna bazaki na guerre depuis plus de 3 ans bango wana ba se kozwa aide ya ba ex far interam ya parti en 1994 na contexte wana équipe mapping et documentaki ba incident allégué oyo elandi. Le 19 novembre 1996 ba combattant mai mai rallié ya AFDL ba se bon kozwa asso ya village Ngungu na soutien ya la ya l'artillerie AFDL a perdu, parce que bon, de manière indiscriminée, un nombre indéterminé va réfugier, peut va ex-far interam. Nombre total de victimes, ils ont dit bon, pas si, il y a qu'on déterminé, selon plusieurs sources, ils ont dit bon, plusieurs centaines. Kaka na kati ya deuxième quinzaine, et à mois de novembre 1996, pardon, bah élément AFDL a perdu bah c'est comme ma dizaine va réfugier na camp y a fortune située à côté y a ferme Oso na territoire y a Masisi bah militaire y a AFDL a perdu bah c'est qui ko échanger bah tir na bah ex far interam moins basé na camp bah ex far interam moins ba c'est qui bon ko kima rapidement pe ba troupe ya AFDL ba c'est ko kota na camp la plupart victimes ba c'est qui bon go na kati wana nombre ya munene za qui bon go basi pe bana na ba civils za roi wa pe kuna ba troupe ya AFDL ba ne ko reprocher ba ngo ya ko bomba pe toko aider ba réfugiés ko boma bango
Peu après le massacre, on a un témoin oculaire qui a confirmé qu'on a entre 20 et 30 corps dans le camp. Au cours de la semaine 9 décembre 1996, les militaires et les AFDLA ont été plusieurs centaines de réfugiés rwandais dans le camp et la fortune créée dans le niveau. Il y a village, il y a Mbéché, il y a Mbéché-Mbéché, la collectivité, il y a Katoï. Nassima a encerclé, quand vers 5 heures du matin, le militaire a affaibli la paix, c'est ce qui est au fond là. Le massacre, c'est une manière indiscriminée, c'est un occupant. C'est que bon maintenant on va déterminer par réfugiés. C'est en source bah déplacer interne des rois bah c'est qui na camp bah c'est qui bongo kubwama. Aux alentours il y a 8 novembre 1996 bah réfugiés belés la plupart bah rescapés il y a camp il y a Kaine au Pékatale bah c'est qui qu'on s'est installé la collectivité bah Chali na Nord Kivu na Nord Est il y a territoire il y a Masisi. Vers le 18 novembre 1996, le militaire et AFDLA-PER s'est attaqué quand il y a fortune située dans le niveau il y a Rougoui. Au cours de la semaine P, moi, il s'est attaqué et il s'est attaqué. Quand il est terminé, il s'est rescapé dans le camp où il s'est tenté de quitter le territoire. Dans le contexte, on a équipe mapping et documentaire qui les incidents allégués suivants. Fin novembre 1996, les éléments et AFDLA-PER s'est combat. Ils sont civils parmi eux, 14 réfugiés rwandais, Pedi Banyarwanda Utuna, village de Mianja. Pendant le mois d'avril 1997, les éléments et AFDLA-PER s'est combat. Un grand nombre de réfugiés s'est installé dans le site de Bengami Bona Karunda. Na katia village ya Kirumbu ainsi que na plantation ya Nyabura na katia collectivité ya Bachali Mokoto. Aux alentours ya 22 avril 1997 ba élément ya Afdel Aper wa Seko Mabongo 53 réfugiés na école Moko zale située na village ya Umule près ya localité ya Karuba na 50 km ya Goma. Puis la victime, c'est-à-dire qu'il y a un qui est allé rejoindre le centre de transit, il y a HCR ou il y a Karuba, en vue à cause de la rapatrier dans le Rwanda. Dans le cas, il y a un témoin qui est allé rejoindre le centre de transit, il y a un groupe de victimes, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de violer avant de se faire. Le 29 mai 1997, bah, l'élément ya AFDLA-PER, c'est que 4 réfugiés, dont Mwana Moko, ainsi que 4 employés Moko ya ONG International Save the Children. Na niveau ya village ya Karuba, bah, victime wana babane ko faire partie ya groupe ba réfugiés na nzela pona centre ya transit ya HR ya Karuba pona rapatriement na bango na Rwanda. Toke na territoire ya Walikale. Ba réfugiés rwandais ba sia ki kokoma na territoire ya Walikale na novembre 1996. Il y a trois axes différents. Le groupe Moussousou Oe Utaki, Bukavu, Basse, Kokoma, na territoire ya Walikale, na Kolekanana, Banyakiri. Le groupe Moussousou Oe Utaki, bon également, na Bukavu, pe, Basse, Koleka, na forêt ya Kaouzi Biega, via Nyabibwe. Groupe Moussousou, Yasuka, Oesaki, Koki Manakan et Nord Kivu basé Kozabon territoire, Koko Mabon territoire Walikale, na Kolekana, na sud, ya territoire ya Masisipe, localité, na ba localité ya Busurungi pe Biriko. Balandamaki, na ba militaire ya AFDLA-PER. Au bon retard, au bas, 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 au
bah homme armé bah c'est qui bon qu'on allait attaquer peu comme ma na manière moko indiscriminée. Bah militaire y a Afdelapeur oh bah utaki na Bukavu bah comment qui bon on a ombo na village situé na frontière y a Nord Kivu pe Sud Kivu aux alentours y a 7 décembre 1996 c'est qui bongo qu'on a divisé en deux groupes. Parti Moussous et la troupe continue qui dans la direction y a localité y a Walikale, tandis que Moussous Tikala qui na zone afin de traquer les réfugiés. Troisième groupe est qui bongo qui est dans la poursuite des réfugiés au Bakima qui na regroupement y a Walowa, Luanda, qu'on a sud-est et territoire y a Walikale. Na kokoma na bango na territoire ya Walikale ba militaire ya Afdelapeur ba se ko organiser réunion publique na attention ya population zéroise. Au cours ya ba réunion wana ba se ko funda ba réfugiés Hutu ya koza na collectivement responsable ba génocide Tutsi na na Rwanda. Bango ba c'est quoi affirmer que ba réfugiés ba dès qu'on projetait qu'on commettre un génocide contre population civile zaïroise na région na discours na bango ba c'est qui qu'on comparer souvent ba réfugiés na ba cochon saccageant le champ du villageois ba singa ki bongo souvent na ba zaïwa ya ko aider ya ko débusquer Peyako Boma. Selon plusieurs sources, terme cochon, ils avaient qui bongo combo, ils avaient qui noto code et ouais bah ne quoi utiliser na bah after la paix pour na quoi l'obéir na bah réfugié ou tout rwandais. Lorsque bah militaire et after la paix bah ne quoi peut qui s'abaser ouais à quoi accéder na bah site et exécution bah ne quoi se bangoter bah qui bongo na ko bazala ki koboma ba cochon na région wana ba massacre est ce que ko organisé selon schéma moko quasi identique défenseur ya koboma maximum ya victime à chaque fois que on a repéré une grande concentration ya ba réfugiés ba militaires ya Afdelapeur bané ki ko tirer le ko na bango de ba manière moko indiscriminée na ba armes lourdes peine ba arme légère bango baneki ko la kabango ensuite baneki ko promettre ensuite ya ko na ba rescarpé ya ko sunga bango pour na kozonga Rwanda après ko sangisa bango na ba différents prétextes baneki ko bango le plus souvent na ba coup ya ba marteau tout na ba Congo ba o baneki ko meka ko kima Bazaki baboma ki bongo na babal. Plusieurs témoins basté ko affirmé qu'en 1999 ba militaire ya APRNC basté ko koma kuna spécialement na site wana pe pa plusieurs massacres afin ya ko déterrer ba corps pe ba oyo ba tumamaki ba bibembe oyo tumamaki na contexte on équipe mapping et documentaire qui incident allégué au lundi. À partir il y a 9 novembre 1996 ba militaire il y a Afdelapeur ba c'est comme par balle plusieurs centaines de réfugiés parmi wapi grand nombre ba basi pe bana na niveau ya pont il y a ombo au cours il y a jour et lundi ba c'est comme na bomo énormément quoi indéterminé ba réfugiés na na bord il y a nzela na niveau ya Kampala situé à quelques kilomètres ya Ombo avant ya Kobomama basi ebele basé qu'on a violé na ba militaire avant ya Kobomabango ba militaire basé ko singa ba victime ya ko se regrouper en vie ya rapatriement na bango na Rwanda vers le 9 décembre ba militaire ya Afdelapeur basé ko intercepté pe ko exécuté plusieurs centaines de réfugiés rwandais na dans les environs ya village ya Chambusha
situé à 4 km ya Ombo. Ma victime, wana bazala ki na kalti, un grand nombre ya basi pe bana, baseko bo mama na babale, to na kouya marto, to pe na na Congo, na moto, pembeni ya pont, likolo ya rivière Loa. Avant ya kubonga bango ba militaire ya AFDL père basé ko promettre bango ko promettre ba réfugié ya ko rapatrier bango na Rwanda na aide ya HCR la plupart ya banzoto c'est qui bon ko bwa kama na rivière Loa. Tango ba militaire AFDL père basé ko sa contrôle il y a un zéla asphalté entre Ombo pe Walikale ba réfugiés rwandais au bazala qui au bakoma qui n'a noté na zéla ne monnaie entre Bukavu pe Walikale basila qui ko rebrousser chemin na direction ya Masisi. La plupart basila ko s'installer provisoirement na village ya Biriko na regroupement ya Walo Walwanda. Incident allégué suivant les acquis documentés. Autour ya 17 décembre 1996, ba militaire ya AFDL père en provenance ya Ziralo Sud Kivu Bunyakiri Sud Kivu pe Ngungu Nord Kivu ba sekbo ko encercler camp ya fortune établi ya Biriko pe ba sekbo ma centaine ba réfugiés parmi eux, il y a des gens qui militaires comme victime par balle, tobaku na kuya Congo. La population ya Biriko est en train de se faire en Mboka. La population est en train de se rivière Niawaranga. Na katika ka ba jour et lundi ba militaire ya AFDL père ba seki ko poursuivre attaque na bango na ko attaque ba réfugié na village ya Kilambo Busurungi Kolino Bikoi Koi Nyamimba pe Kifuruka oza situé na regroupement ya Walo Walwanda na territoire ya Walikale. Incident allégué suivant ezaki documenté. Na décembre 1996, ba militaire AFDL père Basekoma, plusieurs centaines de réfugiés aux environs ya localité ya Kifuruka située na 10 km ya Biriko. Ba militaire Basekoma rassemblé ba victimes na village ya Kifuruka pe Basekoma bon tinanzela na ko dimisaka bango te ba ko de bango pona kozonga na Rwanda. Une fois que ba ki na village ba militaire ba siya ki ko bon par balle pe na kou e ba machete. Na tango wana ba unité mususu ya AFDL père ba se ba neko commettre massacre na regroupement ya Walo Walwanda ba msu ba neko continuer progression na bango vers chef lieu et territoire Walikale. Incident suivant ezaki bongo documenté. Au cours ya troisième semaine ya mois ya décembre 1996 ba troupe ya AFDL père ba se ko bongo une centaine de réfugiés rwandais dans le niveau de la localité ya Musenge située entre Ombo et Walikale. Ba militaire AFDL père ba se ki bongo ko mettre en place plusieurs barrages na Nzela tout au long ya Nzela afin ya ko intercepter ba réfugiés. Bango bazalaki kolaka bango na kompromettre bango bana ba victime te bako aide bango mpona kozonga na Rwanda par intermédiaire ya HCR pe babaneko ma bango na bandako ya Musenge. Au bout ya tango moke ba victime bazalaki bongo extraite na ndako ya pe babaneki babomaki bango na ku ba barre de fer na niveau ya colline ya Ikoyi pe Musenge na côté ya dispensaire. Système ya exécution essaie ko se mettre en place na environ ya Itebero wapi kuna partie ya décembre 1996 ba unité spéciale ya AFDL père ba Sekibongo ko traquer de manière systématique ba réfugiés
Incident allégué suivant les acquis documentés. Au cours du mois de décembre 1996, un militaire Afdel Apert Basekouma s'entraîne à réfugier dans la localité Yamoutiko. Une fois intercepté, au niveau de la barrière, la victime Basekouma cause la cheminée dans le village Yamoukito. Pe ba militaire ba se ko pesa bango bilei pe ba senga kine bango te ba mi bongisa po na komata na ba camion ya HCR ezaki sensé ko bimisa bango na mboka ba victime ba zaki bongo ba mema ki bongo ndeo ya mukito kati na nzela ba siya ki kuoma na kuya ba nzete ba marteau topé na ba Congo na bandeko beta bango yango na moto ba militaire ba bandaki ko tindika ba population autochtone ya ko participer na kobomawana ba bandeko forcé bango ensuite ya kobomawana ya kokunda bibembe aux alentours ya 16 décembre 1996 ba militaire ya Afdel Apert ba koma kibongo na Walikale centre incident allégué suivant les alertes documentées entre fin 1996 pe début année 1997 ba élément ya Afdel Apert Basekouma un grand nombre déterminé ba réfugié na Walikale centre la plupart des victimes Basekouma na quartier Nyaru Sukula quartier wana ezaki transformé na quartier militaire après installation ya ba troupe ya Afdel Apert na cité pe accès pe kisema ki bongo na ba civil. La plupart des autres victimes et c'est qui pour boire comme la rivière Loa et ses affluents. Nous sommes des réfugiés rwandais ou taki na Masisi et c'est qui vont rejoindre en décembre 1996 territoire ya Walikale na Kolekana na sentier forestier ou bien corrélié village ya Ntoto. Obna village ya Ngora situé na une quinzaine de kilomètres au nord ya Walikale centre. Après prise ya Walikale na makasi ya ba Afdel Apert ba réfugié peu ex far intera moins ba siki ko tenter ko bomba na village ya Kariki. Bon, on va s'installer qui n'a entreprise manque et qui est situé dans un sentier entre village Toto et Ngora. Incident allégué suivant les acquis documentés. Début 1997, le militaire Afdel Apert va se couper un grand nombre de terminaux et va réfugier. Na camp il y a Fortune, il y a Kiri qui est situé à 13 km de Walikale. Le militaire va outa qui bon Ngora. Wapikuna bazaki contre et ba civil yako landa pe yako mema ba bagage ba caisse na bango ya ba munitions na kokoma na Kariki ba seki bon koza la surprise na ba element ex par itera moins o bazoma ki na se ya colline pe ba désarma ki bango. Après avoir combattu ex-intera, moi, basé quoi attaqué quand au Zaki na côté Moussou ya Valé. La majorité y a banzoto et Zaki ensevelité. Équipe mapping essaie de constater que Bamiku en Abongo Zaki toujours libanda na date y a rédaction y a présent rapport. Tokei na point 3 tokota na Maniema. Kobanda ko konté fin 1996 gouvernement zaïrois a essayé de commencer na makasi na Kindu pe Kisangani envie à lancer contre-offensive na Kivu. Pour le premier réfugié c'était Kokoma na kati ya province ya Maniema depuis 1997 en provenance ya territoire ya Walikale na Nord Kivu. Bango basila ki bongo ko se diriger vers ville ya Kisangani mais basé ko za bloqué na ba phase pe détourné na site
ya Tingi Tingi, ezwa mina 7 km ya Lubutu na proximité ya aérodrome. Au cours ya ba semaine oyelandaki près ya 120 000 réfugiés basé ko s'installé na camp ya Fortune ya Tingi Tingi. Au même moment 40 000 autres Hutu Rwandais ba na kati na bango majorité zaki ba ex far interamwe basé ko koma na village ya Missi oyezomi na 70 km ya est ya Tingi Tingi. Na ebandele ya 1997 ba ex far interamwe ba utiliser qui quand Tingi Tingi donc la base ya recrutement pe entraînement en vue ya komene contre-offensive conjointe na ba phase contre ba troupe AFDLR. Coordination moro très étroite et c'est qui que ça instauré entre ba phase pe ba ex interamwe. Ba phase ba c'est qui bongo ko fournir ba ex interamwe ba arme pe ba munitions pe ba uniforme. Na janvier 1997 ba violent combat est opposé ba militaire ya AFDLR pe ba ex far interamwe pendant plusieurs semaines à niveau ya pont Osso na frontière entre province ya Nord Kivu pe Maniema. Le 7 février, après le violent combat dans le village, ya Mungele, ba troupe ya AFDLR, ba sila ki bongo kozwa camp à Missi. Majorité ya population ya camp et sila ki bongo kokima na direction ya Lubutu, pe ba sila ko s'installer na côté ya camp Tingi Tingi. Ba dernier affrontement entre AFDLR pe ba ex interamwe sila ki bongo kozwa ma na kati ya village ya Mukwanyama ezali na 18 km ya Tingi Tingi. Par la suite ba komba wana ese pratiquement ko cesse pe ba ex far interamwe ba se ko kima na désordre. Ba dignitaire mususu ya ancien régime rwandaise pe ba réfugié ba sila ki bongo sakite na ba prix ya billet $800 ya États-Unis ba sila ki bongo kozwa place na bord ya avion commerciaux oyo eutaki spécialement na Tingi Tingi, Tingi Tingi pe bango bakomaki na kendaki na Nairobi. Na soirée ya 28 février ba réfugié ba sila koyoka te ba troupe ya AFDL APR ba zwamaki ya 10 km ya Tingi Tingi ba sila kolongwa na camp pour la direction ya Lubutu pe bango ba sila ki kozala bloqué ti lobi nango na tongo na ba ex far na niveau ya pont kuna na rivière ya Lubilinga communément appelé pont Lubutu. Na contexte wana équipe mapping et documenta ki ba élément suivant. Na matinée ya 1er mars 1997 ba élément ya AFDLR ba sek okota na kati ya camp ya Tingi Tingi pe ba sek boma sans discrimination ba dernier occupant bien que la plupart ba réfugiés ba sila ki déjà kolongwa camp. Plusieurs centaines d'entre eux ba sek kozwa manana wana parmi wana ba malade bazalaki ebele ba malade bazalaki kozwa oyo bazalaki kozala soigner na dispensaire pe ba bana oyo bazalaki non accompagné selon ba témoin troupe ya AFDLR esek koma la plupart ba victime na bakuya ya kuto pe banzoto na bango esemaki kokundama na plusieurs charniers na ba volontaire ya Croix Rouge ya Lubutu. Na après-midi ya 1er mars 1997 ba élément ya AFDLR ba sila ki bongo kofungola manduki likolo ba réfugié bazalaki na molongo pe bana kokima vers Lubutu pe ba sila koma plusieurs ya ba dizaine. Le même jour kaka wana ba militaire ya AFDLR ba sila koma na ba balle plusieurs centaines ya ba réfugié oyo bana kozela kokatisa pont na likolo ya rivière ya Lubilinga bakufaki na komibwaka na mai basusu basilamaki konyatama na fulu wana likolo ya panique.
Le 2 mars, le militaire, il y a affaire la paix, il y a 5% de la population, il y a le bout de la Kokunda, la victime, mais la plupart des autres, c'est même qu'au bois, comme à la Kati, il y a rivière. Le 27 février 1997, la troupe ya Afdel la paire basaki ba kota kibongo na ville ya Kindu déserté na ba phase par réfugié basaki continue d'aller na bango na direction ya Lodja axe ouest topé Kasongo axe sud. Auparavant, na troisième groupe, beaucoup moins nombreux basaki bongo pour rejoindre les réfugiés au Yakan et Tingitingi, na ko emprunter Ndila ya Punia, na contexte où un équipe mapping et documenté qui va incident allégué au Ilandi. Le 1er mars 1997, ba élément ya Afdel la paix, ba c'est que bon 11 religieux réfugiés au Rwanda na Ndila ya Kindu. Une vingtaine de kilomètres na Kalima, na territoire ya Pangi. Les victimes, na ba victimes wana oui à BP trois sœurs, bazaki ba réfugiés na Sud Kivu depuis 1994. Bango ba zwa ki réfugiés na kati ya paroisse ya Kalima depuis le 22 février. Après avoir causé la ville le 23 février, la troupe ya Afdel la paix, ba singa qui n'est pas religieux, na kolanda sous prétexte pour la raison que ça va en Rwanda. Le 1er mars, ba religieux, ba c'est comme na minibus oyo ba militaire ba singa qui au cours ya soirée ba religieux ba c'est comme maka. Kobo mama na kuya ba nzete pe ba nzoto na bango esaki kozala enseveli sur place. Na mars 1997, ba élément Afdel la paix ba se koma quelques 200 réfugiés na territoire ya Pangi pe Kasongo ba victime bazalaki la plupart ya ba rescapé ya ba massacre commis na territoire ya Shabunda. Na Sud Kivu na kan ya ba réfugiés au efungamaki pembeni aéroport ya Kalima na territoire ya Pangi ba militaire ba se comme 20 personnes au moins principalement basi pe bana o bande ko se arrivé ya aide alimentaire oyo et utaki na HCR kati ya ville ya Kalima ba militaire ba se ko fouillé na banda coupé ba se ki ko ba réfugiés ba o ba se ko bo mama pe ba se ko beta bazairoa ba zaiwa oyo batika ki bango te ba se ko kota na banda ko na bango ba militaire ba se ki bon ko ba réfugiés tout au long ya nzela ya Kalima Pekindu, notamment na village ya Kingombe, Mungembe, Mumbunza, Kenye, pe Indombo. Banzoto ya ba victime etikala kibongo na nzela pendant plusieurs jours avant de se rekuna na population civile. Au cours ya semaine o elandaki ba militaire ba continuer ki ko traquer ba réfugiés na territoire ya Kasongo et puis ba bomaki bango na nombre moko ebele na village ya Kisanji, Sengeluji, pe Karubenda. Ba oyo ba sei ko bika bazaki la plupart dispersés na kati ya forêt. Ba temo ba sei ko estimé na komona au moins 165 corps, mais nombre total de victimes ezali probablement bien supérieur na chiffre wana. Alors que ba affrontement entre ba ex far itera mwepe ba troupe a pair. Alors que ba affrontement ezalaki souté entre expert intérieur phase puis la troupe il y a Afdel à père le massacre va réfugier c'est continué na cours il y a semaine au Ilandaki na qui chute il y a Tingi Tingi ba réfugié appréhendé dans le militaire il y a Afdel à père au basé na Lubutu ba seki ko mimama na site moko ebengami na kombo ya Golgotha ezwami na 3 km ya Lubutu pe ba bango bazaki systématiquement exécuté. Incident allégué suivant a été documenté.
Le 14 mars 1997, dans l'occasion de mission conjointe d'un organisme des Nations Unies, PONG, Bastia qui a trouvé près à 2000 réfugiés, ou Bastia qui a vivre dans un récent massacre, et on a quand il y a quand Tingi Tingi pe à Missi. Tina Kokangama officiel il y a quand le 2 avril le militaire et AFDLAPR qui délibérément bloqué aide humanitaire non sanitaire peu médicale ou qui destiné à rescapé. MSF s'est rapporté dans la cour y a période wana fourniture y a soins médicaux ben les réfugiés qui pratiquement impossible pas battre par autorité AFDL basé ko pekisa tout ko retarder missions humanitaires pour la raison sécuritaire. Au cours il y a 3 semaines, au Ilanda qui a pris il y a quand 216 réfugiés au moins basé au Koufa na Tingitingi faute d'aide humanitaire topé médicale. Province orientale. N'exception, il y a groupe militaire Benego accompagné entourage. Il y a ancien président rwandais Habyarimana Oyo et ce qui rapidement au cas de sa région. Entre fin 1996 et début 1997, immense majorité des réfugiés rwandais ont quitté la province orientale en mars 1997, alors que ils tentaient d'atteindre Kisangani en compagnie d'un nombre extrêmement réduit, bellement il y a ex-phare interamoins via la route et à Lubutu Kisangani. Na rive droite et à rivière Lualaba, topé fleuve Congo, c'est que ça repoussé dans l'ex-phase Kuna na Ubundu, na 100 km na sud Kivu ya Kisangani, Kuna na rive gauche ya rivière Lualaba. Na koba na konté na 6 mars 1997, ba dizaine ba milliers ba réfugiés s'installa ki na Njali, na kati ya territoire ya Ubundu, na rive droite ya fleuve Zaïre, en face ya village Ubundu. Ba combat o essai ko se déroulé na ba troupe ya AFDLAPR pe oyo ya ba ex interamwe dans les environs ya Njali. Et c'est qu'au suscité ne va réfugier mouvement moko ya panique paix entre bango c'est qui m'ont contenté que quand il fleuve na ba moyen son malgré ba conditions météorologiques et qui passe plusieurs centaines va réfugier c'est qui m'ont koufa na kozinda na mai na ko na kokatisa na bango attaque contre le réfugié le long de l'axe Lubutu Kisangani. N'a qu'à avancer rapidement que autre petit groupe manque environ il y a 1000 réfugiés dans l'élément pe ba élément il y a ex-phare interam moins basé coléka avant fermeture il y a route Lubutu Kisangani le 12 mars 1997 pe ba on va comme qui na wanya rukula village est situé à 64 km de Kisangani. Puis on va se dire qu'on s'est installé dans 2 camps temporaires où est situé dans la localité il y a Luboya Pe Maiko, na rive droite il y a rivière Lualaba. Le même jour, bah, militaire, il y a phase, il y a division spéciale présidentielle DSP, c'est qui couvre un camp. Puis bah c'est qu'au Kabul bah Mandouki n'a pas ex-faire interamoué en prévision et attaque y a AFDLAPR. Incident allégué suivant a été documenté. Le 14 mars 1997, vers 20 h après défaite y a coalition phase ex-faire interamoué. Puis bah militaire y a AFDL bah c'est qu'au moins 470 réfugiés n'a constitué Pembeni ya Wani Rukula na kati ya territoire Ubunda. La plupart ya bandote ya victime ya kibongo ibwa kama kibongo na rivière Luboya. Mais ba susu ba steri mongo ya placé na 3 fosses communes. Après prise ya Kisangani le 15
mars 1997, le militaire y a fait de la paix, il s'est organisé par opération, il y a ratissage dans la ville et ses environs pour les réfugiés. La nouvelle autorité AFDEL a fait des instructions des responsables locaux pour sanguisa les réfugiés nyonso qui présent dans la région. Chaque fois que le groupe de réfugiés a été repéré, le militaire a fait des appels à Kokomawana sur le site pour un rassemblement de paix réfugiés dans la destination Moko-Oyo et Ebanité. Dans le contexte où une équipe mapping et documenté qu'il y a un incident allégué au lundi. Aux environs, il y a 15 mars 1997, bah, élément AFDEL, il y a une trentaine de réfugiés détenus dans la prison centrale de Kisangani. Une fois que c'est la prison abandonnée, dans le service de la sécurité Zaïroa, c'est prisonnier en fonction de l'ethnie. Tout libéré, c'est rapatrié dans le Rwanda. Bazaki bongo organisé pe ba utu bazaki bongo mema bazaki bongo mema na extérieur ya prison pe na destination bongo etikala ki inconnuti lelo une vingtaine ba basi pe bana utu bazaki bongo mema na extérieur ya prison en vue ya ko rapatrier bongo na Rwanda kasi ko zonga na bango etikala ko za confirmer te. Fin avril 1997, le militaire Yaf de la Père, Seki Bongo Kukata, groupe Moko, il y a 11 réfugiés na route ya Kisangani Lubutu. Tous les qui attaquent contre les réfugiés le long ya ligne, il y a chemin de fer Ubunda Kisangani. Après avoir kokati sa rivière Luala bana niveau ya village Kubundu ba réfugié la plupart koza kolanama na nzela na bango pe basteki ko s'installer vers le 14 mars 1997 na camp ya fortune ebengami na camp de la paix où elle est située na village ya Dobilo, na 82 km ya Kisangani. Le 15 mars, cependant, la troupe ya AFDEL, APR, UPDF, c'est-à-dire qu'il y a Kisangani, puis réfugié. La majorité, c'est-à-dire qu'on décide de continuer à dire à l'exception, il y a quelques centaines, na Obilo. Incident allégué suivant est documenté. Le 26 mars 1997, à l'aube, l'élément, il y a AFDEL la paix, c'est comme 80 réfugiés au moins, dont Basi Pebana, na camp, il y a Obilo, na territoire, il y a Ubundu. Quelques jours auparavant, militaire, il y a AFDEL, Ba villageois ba yoka ki ba kou ya ba masasi 45 minutes environ le lendemain ba siki ko kota na camp parsemé de ya déduire pe ba siki ko découvrir ba bibembe ya victime na kolonga na obilo ba militaire ba siki ko déclarer na population que ba réfugié ba zaki bato yo ba zaki malfaisante et puis bango ba zaki ba zete ya kosunga. Croix-Rouge n'a pas habitant Moussous Basse Kokunda Bibembe na 4 fosses communes. 2 na Katina Bango et Yakibongo na proximité ya marché Moussousou Pemben ya église à témoin de Jova Pem Moussousou na bord ya rivière ya Obilo. Ba réfugié oyo bazala o alonga ki obilo ba avant y attaque ba c'est ki bongo ko zako kabona na deux directions direction Liboso groupe ya Liboso oyo bwapi et zala ki na ba élément ya expert interro mais kenda ki bongo na direction ya
province Équateur, en coupant par la forêt d'un niveau, il y a point kilométrique 52, Nakolekana, na territoire, il y a Opala. Second groupe composé principalement des réfugiés et bien qui vont continuer à avancer en direction de Kisangani, dans l'espoir qu'ils aient accès à l'aide humanitaire. Et comment on a pété, qu'ils aient rapatrié. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vont s'installer dans le village à Lula, dans 7 km à Kisangani, dans la rive gauche du fleuve. Le 31 mars 1995, pendant un militaire, il y a affaire la paix, comme qui bon on a quitté la zone, puis déjà qui y a rebroussé chemin en direction de Ubundu. Les réfugiés ont alors investi dans un camp provisoire le long de la ligne et un chemin de fer et beneko sangisa qui Kisangani pe Ubundu na distance moko ya 125 km vers mi-avril 50 000 réfugiés au moins basia qui bon ko s'installer na camp ya KCC 1P2 vous êtes situé dans la localité ya Kisesa à 25 km ya Kisangani. Un second camp à fortune, il y a 30 000 réfugiés dans le niveau de Biaro, dans 141 km de Kisangani. Le personnel humanitaire Bango a mobilisé fortement afin d'accueillir en aide des réfugiés qui vivent dans le camp Wana. Compte tenu de l'ampleur, il y a besoin de difficultés d'accès dans le camp. Seule faible proportion de la population réfugiée essaie de bénéficier de l'aide humanitaire. Le personnel humanitaire a parti. C'est qu'on sait à face d'hostilité et à responsable, il y a affaire la paix dans le terrain. Dans le contexte, on équipe mapping et documentaire les incidents allégués suivants. Au cours d'avril 1997, alors qu'entre 60 et 120 réfugiés, c'est banné qu'on couffe chaque jour dans ma maladie, top dans l'épuisement. Les militaires, il y a de la paix, c'est là qu'il y a plusieurs reprises qu'on peut qu'ils accèdent à camp, dans l'organisation, puis dans l'ONG, dans la vocation humanitaire, puis qu'on entraver le rapatriement des réfugiés vers Rwanda. Malgré encore et pensant qu'officiellement on a HCR le 16 avril 1997, on a responsable AFDEL pour nous rapatrier dans l'avion un million de réfugiés au Bandé qui cause dans la région de Kisangani. Le gouvernement rwandais a constaté que l'option a nous assisté pour les réfugiés pour les rapatrier dans Nzela. À plusieurs reprises, cependant, l'opération et le rapatriement par voie terrestre et ce que vous avez reporté dans différents prétextes. Le rapatriement, il y a 80 enfants, il y a quand il y a Biaro prévu le 18 avril et ce qui vous avez annulé dans le responsable de la paix, dans le motif il y a controversé plusieurs cas de choléra. Et qui vont signaler dans le camp voisin, il y a KCC. Par la suite, conforme au corps humanitaire, dépôt mon corps, il y a PAM, et c'est quoi, et c'est qui cause à attaquer la population locale pour l'instigation et militaire, il y a AFDEL à pair. Pour le personnel humanitaire, suite, il y a un convoi mon corps humanitaire, dépôt, il n'y a pas, mais c'est qu'ils vont attaquer la population locale, l'instigation militaire et AFDEL. Pour le personnel humanitaire, mon acquitté, qui a son accès, na camp où il est situé, na Kisangani. Barrière moko qui dressé à niveau il y a Lula P bango ba makaki entré dans cette zone qui restreinte à tout personnel humanitaire le 19 avril P le 20 MSF a essayé de négocier passage pour la cosa là pendant 2 heures par jour na camp. À compter du 21 avril, l'accès à camp est totalement interdit au personnel humanitaire. Le 21 avril 1997,
Babiton y a qui sait ça visiblement encouragé dans le militaire et Afdel la paire c'est quoi attaquer quand il a cassé ça il a cassé c'est un peu de donc faire usage de ma machette de ma flèche donc au moment non vraiment quoi indéterminé il y a des réfugiés puis donc au pays des dépôts humanitaires. Plusieurs sources ont indiqué que l'attaque Wanazaki menée en représailles dans le meurtre, dans le réfugié, et six villageois qui sait ça. Version, wana, version de fait, wana, toutefois, Isaac contesté dans plusieurs sources crédibles. Le militaire y a Afdel la paire, qui est présent sur place, c'est qui bongo directement quoi incité population y a quoi attaquer quand. Ba témoin ébélé peut différentes sources indiquent que très mon koutaki na Kisangani et Komaki le 21 avril 1997 à proximité na camp na na bord à son bord ba élément y a unité spéciale y a APR déployé depuis le 17 avril na aéroport y a Kisangani. Incident allégué suivant a été documenté. Le 22 avril 1997, na Tongo, élément, il y a Afdel la paire, accompagné par villageois. Na présence, il y a plusieurs hauts responsables, APR, au moins 200 000 réfugiés, na camp y a cassé, c'est un P2. La tuerie wana essaie de 7h à 12h. Selon plusieurs sources, élément, quelques éléments, il y a extra, Zalaki ba kutaki bango na kan wana mais ba victime ezaki la plupart ba civils après ba après massacre wana ba militaire ba c'est qui concernant un village et qui sait ça paix on va penser qui ordre un villageois na se rendre na ba camp pour la colonie bimbe oyo wapi na ya liboso c'est qu'on a enterré dans la fosse commune. Par la suite, le militaire, il y a Afdel la paire, c'est qu'on a cassé ça pour exhumer les autres Kotumba yango. Le 24 avril, le responsable, il y a HCRP, il y a PAM, ainsi que quelques journalistes, c'est qui a cassé, c'est un P2 sous escorte militaire, il y a Afdel la paire. Les réfugiés, y compris les malades, c'est qui Kobunga. Immédiatement après le massacre, il y a cassé le militaire et Afdel. C'est attaqué quand il y a Biaro. Ils ont dit qu'on a 41 km à Kisangani. Incident allégué suivant les Akibongo documenté. Le 22 avril 1997, l'élément y a Afdel la paire, c'est qui Fongolandou qui de manière indiscriminée na camp et va réfugier à Biaro. C'est comme 100 personnes, bon wapi basi pe bana. Ba militaire c'est qui bon ko traqué ba réfugié au bazala qui c'est qui ko bana ko kima na kati ya forêt pe ba bon qui ba na nom moko indéterminé. Pe na sima c'est ko réquisitionné bango na bulldozer il y a exploitant forestier basé à Kisangani afin il y a aussi moule la fosse commune. Par témoin basé comme on avait les moyens Afdel comme ma banzete na ba camion banzete on essaie de servir bango suite à redresser bûcher puis à tomba banzoto. Le 28 avril 1997 ONG MSF et Zaki Bongo autorisé à visiter le camp, il y a KCCP Biaro, mais occupant Nyonso, Bungaki. Selon MSF, avant attaque le camp, il y a qui vendit au moins 5000 personnes dans l'état d'épuisement extrême. Le 22 avril 1997,
Alors que c'est déroulé l'attaque sur Nakan, il y a bien au PKCC, bah militaire et Afdel, pe bah villageois, bah ceux qui ko quand bah réfugiés, oh bah ben ko tenter ko kidnapper, bah ceux qui contraient à ko Kenya direction il y a centre ville il y a Ubundu. Incident allégué suivant les acquis documentés. Le 22 avril 1997, à niveau il y a point kilomètre 52, bah, militaire et Afdel la paix. Bah, c'est coordonné par bah, réfugié. Il y a ko fanda, il y a ko kata, pe ko fanda, pe bango, bah, fongola ki mandoki, li corona bango, bah, bouma ki, bah, nombre moko indéterminé ya bato. Na kati na bango wana, bah, no, nombre ebele za ki bongo, basi pe bana. Babimbe, bibembe, zaki bongo, basse ko entasse yango na bord, ya mutuka pe, basse yaki ko enterre bango pe ou babo batumbaki. Na mai 1997, alors que bah, HR bah, et peu bah, personnel humanitaire bah, n'est qu'organisé rapatriement, il y a certains réfugiés au Bazaki Bongo entre points kilométriques 41 et épais qui s'engagent. Bah, massacre ici qui collandana na katia zone située na sud ya Kan ya Biaro. Donc, si on a bongo interdit le personnel humanitaire, le journaliste, pour le diplomate, qui nous le 19 mai au moins. Le 14 mai, délégation, il y a Sergio Vieira de Melo, adjoint au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il y a Mimouna qui. À mon avis, tu vas penser qu'il y a accès dans la zone militaire et Afdel à Père. Na même époque, on a interrogé les journalistes dans le cadre du reportage télévisé. Zaïwa Moko, membre ex-Tigre Katangé intégré na Afdel à Père, c'est qu'on déclarait avoir. Il y a c'est qu'on déclarait qui témoigne de plus d'un millier d'exécutions par semaine dans la zone Wana. Il est bon moi indiqué que les Bamundoto est ma victime et c'est qui vont acheminer na Boutou na certains sites afin à cause la et afin à Kotumbama. Les militaires et Afdel la paire c'est qui commène campagne et sensibilisation auprès de la population afin que basi la koloba Oyo. À compter na, du 30 avril 1997, ba militaire y a Afdel la paire, ba banda qui quoi cheminé par train plusieurs groupes de réfugiés, ba oh ba c'est qui cause la vivant attaque na camp y a cassé qui non na camp y a transit installé na proximité y a aéroport y a Kisangani. Incident allégué suivant les acquis bongo documenté. Le 4 mai 1997, bah, militaire ya Afdel Aper, bah, c'est que provoqué l'Iwa y a plus de 90 réfugiés. Na kosala voyage na train, y a na condition moko propre. Dans des conditions propres, PRE provoqua de nombreuses pertes de la vie humaine. Par militaire, il y a Afdel la paire, Oyo, Boyaki, humanitaire, qui a organisé un patrimoine, qui a été entassé par réfugiés dans les wagons, sans respecter les consignes de sécurité minimale dans la survie des voyageurs. Début avril 1997, les réfugiés qui ont été dans le territoire de Ubundu, qui ont probablement qui massacre, il y a bien repé KCC, c'est qu'on s'est groupé dans la localité de Yalikaka, à bord de la rivière Lobaye. Incident allégué suivant les acquis documentés. En avril 1997, habitant un village de Yalikaka, dans le territoire de Opala, il y a agir sous ordre de civil Moko. Il y a au moins 50 réfugiés dans les armes blanches topées dans la cour, il y a des branches. Le cadavre est au Kundama, dans le Bissikato,
babwakaki bango na ba rivière. Attaque wana essaye ko zwama na en représailles et assassinat. Survenu un peu plus tôt na ba habitants ya village pe ba élément ya ex-faritera mwe. Après le massacre, habitants de ce village, il y a des cas qui continuent à empêcher de nombreux réfugiés pour participer à la rivière de Kokima. Bango, c'est prévenir les militaires et Afdel pour être réfugiés dans le village. L'incident est le guet suivant, il est documenté. Vers le 28 avril 1997, une vingtaine de militaires et Afdel la Père basent au coma dans le village de Yalikaka, où il y a des centaines de réfugiés. Dans le coma de Bango, basent interroger les réfugiés, puis basent écarter Zaïwa Moko, au moins, ou la bande qui est dans le cadre de Bango. Et Bango, ensuite, basent comme un Bango. On va réfugier na ba balle ba zo la victime était causé la condamnation place na ba villageois. Après chute ya Kisangani na destruction ya camp situé entre Kisangani pe Ubundu, plusieurs milliers de réfugiés ba se regrouper na village ya Lusuma pe Makako na à 206 km ya Kisangani. Pe bango basé qu'on franchit rivière Lomami pour atteindre au palapé batikalaki na bisika wana. Na kopie ba bien pe récolter ba civil pe récolter ba civil na contexte wana. L'équipe mapping et documentaire qui va incident allégué suivant. Entre avril pe mai 1997, ba habitant du village ya il y a les KKP, éléments, il y a Afdel, la paire, c'est comme 300 réfugiés, dans la balle, topé, dans la arme blanche, dans le village, il y a Makako, dans le territoire, il y a Opala. Au cours, il y a avril, il y a mai, le long, il y a route entre Yaoleka, Anzi, dans le territoire, il y a Opala, le village, c'est comme dizaine, il y a réfugiés, dans quoi attaqué Bango. Na ba flèche empoisonnée na kotika ka ba porte na ba porter na ba produit comestible empoisonné ba villageois bané ko luka ainsi ko dissuader ba réfugiés pe ko ya ko s'installer na village na bango pe ba certains cas ya ko se venger na ba acte de pillage perpétré naba élément ya ex-faritera moi pe ba réfugié ba o ba katia ki na région 25 pe 30 réfugiés ba bomama ki na yata 10 na linga pe 21 na le katelo une quarantaine na otala na frontière na province ya Équateur. Victoire et Afdel la Paire sur le phase PEX Intera moins Nakatia province orientale et cela qui contient sous calme massacre T. Taux disparition forcée, taux grave violation et droit et réfugiés na province. Incident allégué d'Akibongo documenté. À compter de mai au 10 juin 1997, bah militaire, il y a Afdel la Paire, qui bon na coup opération avant qu'on planifie comme un nombre moko indéterminé bah réfugié parmi wapi na kati na bango bah élément il y a expert na kati la localité il y a Bengamisa na 51 km nord ya Kisangani ba victime ba sila kibongo kozala enlevé na Kisangani et ses environs pe bazaki a chemini mwana na véhicule na site militaire. Après ba koyoka na ba témoin ba militaire ba sila kibongo ndimise ba victime te ba kosi a koramene bango na Rwanda na nzela une fois ba koma okokoma na ba bâtiment ya camp ba victime
bon là puis qu'on a grand nombre de liban basi pebana basi cause la comme maman na liban des bâtiments na petit groupe par grand basi cause la ligoté puis égorgé tout comme maman na coup ya marteau na likolo ya moto banzoto na bango esemé comme maman comme maman bongo pe ko bwa kama na force toko kozi ki sengo na essence opération on essaie combiner de façon méthodique peut durer au moins un mois avant ya kolongo na bisika na militaire ba se contenter ko faire disparaître ba trace ya massacre na aide ya bateau à moteur pe ya pirogue ba se ko boka ba bibembe na le plus vite que rapide na ba rivière ainsi que parti na ainsi que parti mususu ya mabele prise na site ya extermination bango basiaki ko exploser ba bombe na camp de façon ya ko retourner mabele pe ba nzoto esiaki ko kundama. Après le gouvernement, il y a quand il y a Bengamisa, le militaire y a offert de la paix à Bastia qui s'est installé dans une trentaine de kilomètres de Nawana, dans la localité de Dalibuku, où Bastia qui mata dans un camp temporaire à 5 km de village, dans la zone où les Akinois habitaient, Pembe n'y a carrière, il y a gravier. Pe bango baloba kite ba villageois oyo bande ko luka ba utu ba o ba bomaki ba tuchi na Rwanda pe bango basengaki te ba koka kosunga bango ya ko luka bango pe bango ba blokaki ba nzela oyo bande komene na ba camp. On va penser qu'il ordre dans ma chef ma secteur ya ko pekisa population ya ko chasser na kati ya forêt environnante incident allégué ya kibongo suivant documenté à compter le na juin 1997 au cours ya 2 ou 3 mois suivant ba élément ya afdel basle ko manon pour moko indéterminé ba réfugié dans les environs ya di dalikubo deux fois par semaine camion e bané ko transporter ba réfugié e bané ko koma na site escorté par 2 jeeps militaires ba afdel a père ba victime ba silaki ko boma na ba arme blanche pe ko ligoté pe ko boaka na bo moyi likolo ya colline dans na vallée rocheuse ezali vraiment impossible ko déterminer avec précision ba nombre ya batu oyo ba se ko kufa na site wana mais ba victime ba bazo se compter probablement par centaines. Vu le nombre ya kokende pe kozonga e salamaki avant ya kokende ba militaire ba se koluka ya kobungisa ba trace ya ba massacre après départ na bango groupe moko ba villageois malgré ba se ko découvrir sur place ba nombreux restes humains. Lokola na ba province mosusu victoire ya ba militaire ya afdel sur le phase et cela ki bon kozwa terme na ba cela ki bongo ko tsa terme te na ba grave violation ya ba droit de l'homme pe réfugié na province orientale na contexte équipe ya mapping a documenté que les incidents allégués suivants. Le 4 septembre 1997, à 4 heures, le militaire ya FAC a perdu Bassekibongo 165 réfugiés dans le camp de transit situé à 11 km de Kisangani, et Bassekou rapatrié dans le cas de Rwanda. Pays na Burundi na absence de témoins extérieurs, organisation des Nations Unies topé ba ONG. Opération wana se ko touché 444 Rwandais pe 325 Burundais dont 252 femmes pe
242 Bana. Na fin septembre 1997, ba militaire ya fac aper ba ané kwa ji en présence ya autorité administrative locale ba procéda ki na fouille systématique na bandaku oyo zaki aux environs ya camp ya ba réfugié ya Lula à 7 km ya Kisangani afin ya ko retirer ba na ya ba réfugié recueilli par la population locale. Selon témoin mon corps militaire, c'est déclaré que Hutu bazalaki bato mabe pe race oyo bene ko créer ba problème pour na ba congolais. Bango bakisaki te que même bana une fois adulte ba ko banda ko sala makambu oyo et longo banité. Ba organisme humanitaire basé qu'aux impliqués na rapatriement et à bana wana te pe sort na bango ezali ti siko ko demeurer incertain. Na novembre 1997, ba militaire ya fac aper basé qu'on enlevé 33 réfugiés na hôpital général ya Kisangani pe bango ba memaki bango na destination moko inconnue. Entre janvier et février 1998, na Kisangani ba militaire ya fac aper ba seko kanga 4 réfugiés rwandais dont ba mineur mibale sor na bango kino lelo eyebanite. Ba victime ba ezalaki bongo ba membre ya famille moko. Bisika papa na bango baneko tangisa depuis 1996 na université de sciences ya Kisangani. Bande kobalandi ya Leonjoleo, deuxième partie rapport mapping na biso esuki awa. Donc totika na troisième chapitre autre continuer mikolo mizali koya. Donc bo s'abonner massivement pour te bolanda rapport mapping na biso na bolai nyonso awa na kati ya Leonjoleo. Bon na pesi matondo na bino ba ebonso bokola na yana boke binyonso. Na pesi matondo na équipe technique. Souvenir à mon colombo à l'élo, bongo, tokutani, mbala, ya sima.